quoi qu'il y a des trails grosses comme ça, c'est pas qu'il y a l'orignal en débile. Okay? Ben, c'est parce qu'il y a une concentration. Okay? Là, je marchais il y a à peu près 1h30 un peu plus bas. Okay? Puis là, j'arrive dans mon deuxième top de montagne. Okay? Là, j'arrive, je vais être au plus haut, très haut sommet ici. C'est un site qui est, bon, il est hivernal, mais c'est un site aussi, j'espère que vous m'entendez, là, je parle pas fort parce que, regarde, en chèque de même, ici, il y a de l'orignal. Bon, plus bas, quand j'ai commencé à rentrer dans le bois, c'était ordinaire. Une trace, c'était là. Puis là, plus que je montais, plus que ma trail a commencé, les ornières commençaient à se rejoindre. Plus qu'ils font des trails. Cette trail-là, là, tout le tour de la montagne, si je fais le tour, elle va disparaître. J'en parlais dans mes autres vidéos. C'est qu'ici, il y a une concentration d'ornières. Les ornières arrivent de partout pour venir se concentrer ici. Ici, il y a des puits, regardez. Il y a des puits de lumière partout. Donc, on arrive dans un site de repos. Puis les meilleurs, puis les plus gros sites de repos que je croise, bien, en même temps, c'est des ravages. C'est une des raisons pour laquelle je suis venu sur cette montagne-là, c'est pour les panaches. En espérant que... Mais c'est pas trop évident. Et là, je suis mon homme, il fait chaud, puis il y a de l'amour. Donc, ces traces-là, OK? C'est pas de même partout dans le bois où est-ce que je m'en vais, là. OK? C'est que ça se réunit. Ça, c'est des genres de choses-là que je vais chercher pour venir filmer mes ornières. Okay? Puis venir les chasser dans le tas du rut et puis tout ça. Fait que je vais fermer ma gueule, puis je vais essayer d'en filmer un. Magnifique site.